Merci beaucoup à toi, à Virginie, à Dan et à Michel Catalin pour l'organisation de cette séance de séminaire et puis pour leur invitation à présenter ces recherches hein, et des discussions très stimulantes qu'on a eues depuis ce matin. Alors, je vais revenir donc sur un épisode hein, qui est assez connu, hein, qui est donc cet accueil des réfugiés espagnols en France. Au moment de la guerre civile espagnole, hein, l'épisode est connu, hein, en février 1939, il y a à peu près un demi-million d'Espagnols qui fuient l'avancée des troupes franquistes en Catalogne et qui viennent trouver refuge en France et qui sont internés dans des camps de concentration improvisés, notamment sur les plages juste après la frontière, Argelès-sur-Mer, à Risvelte notamment. Alors cet exode, hein, il marque les esprits. Il a une résonance mémorielle très forte. Il y a de nombreuses photographies, et la photographie notamment qui a été choisie pour illustrer cette journée sur le programme en est un des exemples. Et surtout, en fait, cet épisode, finalement, en marquant les esprits, devient un peu un exemple typique retenu de crise migratoire ou au moins de crise de l'accueil et notamment des politiques d'accueil françaises dans les années 1930. Alors, en réalité, hein, l'accueil des réfugiés espagnols dans les camps en février 1939 n'est que l'aboutissement d'un processus plus long, puisque la question de l'accueil des réfugiés espagnols se pose aux diplomates français depuis le début du conflit, avec notamment plusieurs vagues de réfugiés qui rythment justement les affrontements. Et donc les diplomates hein, s'intéressent à cette question de l'accueil des réfugiés espagnols dès 1936. Ils alertent à de nombreuses reprises les pouvoirs publics français sur ces vagues de réfugiés à attendre. Et ils participent à la gestion des flux de réfugiés et ils préconisent notamment un certain nombre de politiques pour cet accueil et notamment le tri entre les réfugiés. Ils ont un rôle qui est assez essentiel à mon avis, mais qui a été jusque-là assez minoré dans l'historiographie, puisque l'historiographie de l'exil espagnol, finalement, c'est inséré dans une historiographie d'émigration, de l'immigration en France, et donc avec un point de vue plutôt centré sur la société française, sur l'opinion publique française qui est en proie à la xénophobie, et sur les résultats dans les politiques internes, notamment depuis le ministère de l'Intérieur, avec les directives aux préfectures, avec le rôle de la police également dans la surveillance des réfugiés et des étrangers de manière plus générale. Et donc, ce que j'essaie, c'est une partie de mes recherches doctorales, hein, c'est aussi de revaloriser un peu ce rôle, le rôle que les agents du Quai d'Orsay ont pu avoir dans la gestion de ces réfugiés. Et en me penchant justement sur cette action, je me suis rendu compte que les diplomates et les consuls qui sont présents en Espagne, eh bien, ils participent à construire la catégorie de l'espagnol indésirable qui explique la raison pour laquelle, en fait, les Espagnols, lorsqu'ils passent la frontière en février 1939, eh bien, ils sont directement internés. Alors, cette catégorie d'indésirables, hein, c'est une catégorie qui remonte plutôt au XIXe siècle, qui est principalement anglophone au départ, de gestion des populations dans un contexte notamment colonial, mais qui devient de plus en plus utilisée à partir du début des années 1920, qui est introduite en fait par des juristes internationalistes plutôt anglophones en France, et qui devient une catégorie employée très largement par les administrations françaises dans les années 20 et les années 1930. Alors, pour autant, cette catégorie d'indésirable, elle est floue. Elle n'est jamais définie précisément. On ne sait pas exactement ce qu'est un indésirable. Il y a différentes définitions. Et ce flou-là explique le fait que finalement, les agents qui vont utiliser cette catégorie d'indésirable, eh bien, ils y mettent un peu ce qu'ils veulent derrière. Et donc, ça. Comment dire, c'est une catégorie finalement qui relève beaucoup de l'arbitraire. Et donc, finalement, l'usage, la construction de cette catégorie d'espagnol indésirable, elle montre bien aussi que les politiques migratoires, elles ne relèvent pas forcément d'une rationalité, mais qu'elles sont aussi finalement le résultat d'un mouvement émotionnel qui est étroitement lié à ce que, comment dire, à la position des agents qui l'utilisent. Et là-dessus, hein, je m'inscris. Pardon, alors.
C'est ça. Je m'appuie notamment sur les travaux hein, d'Aurélie Deuvelle, qui elle-même s'appuyait sur les travaux de Tamara Vukov, qui souligne en fait que l'émotion, finalement, joue un rôle central dans la mise en place des politiques publiques sur l'immigration, et notamment dans cette question de la construction de l'indésirabilité. Et ce constat converge un peu avec des constats qui avaient été établis par des historiens qui ont travaillé notamment sur les Espagnols et indésirables, sur cette catégorie qui est construite, notamment Pierre Labori, qui explique que le surgissement en fait de l'Espagnol indésirable se fait dans un contexte où la figure de l'étranger cristallise finalement toutes les sources de peur en France à ce moment-là. Et il est également suivi par un historien espagnol plus récemment, Jone Pérez Rodriguez, qui explique que la gestion des réfugiés espagnols se fait dans un contexte hein, de psychose idéologique qui saisit les pouvoirs publics à ce moment-là. Et donc, il en va de même hein, pour donc cette construction de l'espagnol indésirable par les diplomates français, qui est le résultat finalement de la peur que les diplomates français éprouvent face à l'événement espagnol, à la guerre civile espagnole. Et donc on touche aussi là à une dimension hein, qu'on a beaucoup croisée aujourd'hui de la crise, hein, qui n'est pas simplement un changement soudain. Mais qui est également un changement qui suscite le trouble, qui suscite un accueil relativement négatif. Alors, pour expliquer hein, ce trouble hein, des diplomates face aux réfugiés d'Espagne, il faut s'intéresser à la perception qu'ils ont de la guerre civile espagnole et notamment de ses violences. Alors, les diplomates hein, sont très vite saisis de peur face aux mobilisations sociales qui succèdent l'arrivée au pouvoir du Frente Popular en février 1936, donc cette coalition de gauche qui est au pouvoir en Espagne, qui fait face en fait à une instrumentalisation, cette arrivée au pouvoir, par la propagande de droite qui estime que finalement ce Frente Popular ne serait qu'une sorte de cheval de Troie de l'URSS qui utiliserait cette arrivée au pouvoir légal pour préparer un soulèvement révolutionnaire. Et le soulèvement militaire du général Franco, le 18 juillet 1936, s'appuie justement sur cette crainte-là, sur cette rhétorique contre-révolutionnaire, puisque les militaires justifient leur soulèvement en disant qu'ils prétendent, en tout cas, rétablir la légalité de l'Espagne et mettre fin à un projet de soulèvement révolutionnaire que le Front populaire avait préparé pour le 1er août 1936. Alors, pour faire face au soulèvement militaire, le gouvernement républicain distribue des armes aux organisations ouvrières pour le mettre en échec dans les principales villes. Il y parvient, sauf que cette situation crée une fragmentation du pouvoir en zone républicaine, dans le sens où l'État républicain, le Frente Popular, perd le monopole de l'usage de la violence et que les organisations ouvrières armées eh bien, s'emparent localement du pouvoir et entreprennent notamment de s'emparer des tâches de justice, de contrôle de l'ordre public. Et c'est ce qui permet en fait le lancement véritablement d'un processus révolutionnaire en Espagne républicaine. Et donc, c'est assez ironique, hein, les militaires qui se soulèvent avec le général Franco qui prétendaient empêcher une révolution, eh bien, en se soulevant, eh bien, facilitent l'advenue justement de cette même révolution. Et donc, ce processus révolutionnaire, eh bien, il vient remettre en cause un ordre social qui était en vigueur, un ordre social auquel notamment les diplomates et les consuls français s'identifient. Et ça accompagne aussi de violences, puisque ces organisations ouvrières cherchent à éliminer, d'abord pour le contrôle du territoire et ensuite pour mener la révolution, cherchent à éliminer leurs ennemis politiques et de classe. Donc ces violences hein, font à peu près entre 50 et 60 000 victimes, notamment durant les premiers mois de la guerre, et elles suscitent tout de suite l'effroi des diplomates français en Espagne, qui vont décrire ces violences comme des atrocités, comme des massacres. Ils décrivent une situation dans les territoires républicains où règne le désordre et l'anarchie. Et à l'inverse, l'effroi qu'ils ressentent à l'égard des violences révolutionnaires, eh bien, les porte à accepter davantage le soulèvement militaire comme finalement une opération de rétablissement de l'ordre en Espagne, en tout cas de préservation de l'ordre social auquel justement ils s'identifiaient, ce qui les pousse en fait à accepter aussi davantage la terreur militaire qui pourtant est plus importante quantitativement et qualitativement, qui fait à peu près 120 000 victimes sur la même période. Et donc, il y a cette acceptation voilà, de la terreur franquiste comme un moyen finalement de conjurer cette menace révolutionnaire.
Et donc, c'est dans ce contexte-là hein, que, ils sont amenés à aborder donc, les événements espagnols et à s'intéresser en fait à l'aide des réfugiés espagnols. Et la priorité pour ces diplomates français en Espagne, ça va être donc de venir prioritairement donc, en aide aux victimes des violences révolutionnaires qui leur paraissent, donc, comme je l'ai dit, comme étant le problème principal, mettre fin en fait à ces atrocités. Donc, ils interviennent d'abord hein, en aide notamment de ressortissants français qui sont en Espagne. Lorsque le gouvernement français envoie le 21 juillet 1936 des navires le long des côtes espagnoles, c'est prioritairement pour aider ces ressortissants français. Donc entre juillet 1936 et mars 1937, il y a à peu près 11 000 Français qui sont évacués et 98% de ces Français sont évacués depuis des ports contrôlés par les républicains. Seuls 2% viennent de ports contrôlés par les franquistes. Alors, cette disproportion, elle pourrait s'expliquer par un aspect plutôt géographique, hein, puisque les républicains, à cette période-là, contrôlent la majeure partie des côtes. C'est aussi lié aux dynamiques de la guerre, hein, puisque la progression franquiste entraîne aussi des mouvements de population qui fuient le théâtre d'opération. Et donc, finalement, il pourrait apparaître assez logique que eh bien, les réfugiés proviennent davantage de la zone républicaine que de la zone franquiste. Mais c'est loin d'être en fait le seul facteur. C'est surtout en fait que l'ordre qui est observé en zone franquiste, alors qu'il y a un ordre hein, qui est une perception de l'ordre qui est très située, hein, qui est liée à une adhésion à un certain ordre social, eh bien, face à cet ordre, les diplomates français estiment que finalement l'évacuation des ressortissants n'est pas nécessaire puisque l'ordre est maintenu par les troupes franquistes, contrairement à ce qu'ils observent en zone républicaine. Hein. Et c'est cette citation donc, du consul français à la Corogne, Léon Pelletier, hein, qui le montre. Hein. Finalement, il n'y a pas forcément, voilà, il y a une hésitation de ses compatriotes à abandonner une région où règne actuellement le calme le plus absolu. Alors qu'il y a un calme tout à fait relatif, puisqu'à ce moment-là, il y a de très nombreuses exécutions qui ont lieu, notamment à l'égard du mouvement ouvrier. Et donc cet ordre-là, il offre aux yeux des diplomates voilà, un contre-exemple par rapport au désordre et à l'anarchie qu'ils observent en zone républicaine. Et c'est donc dans la continuité de cette action d'aide aux réfugiés français, qu'ils ouvrent petit à petit l'accueil de réfugiés espagnols qui fuient les violences révolutionnaires et dont ils organisent notamment les embarquements dans des navires de guerre français ou dans des paquebots affrétés par le gouvernement français. Et donc, il y a à peu près 15 000 Espagnols qui fuient les violences révolutionnaires, qui sont embarqués et acheminés en France par les soins des consuls et des diplomates en France, dont à peu près 7 000 à presque 7 000 à Barcelone. Et quand on regarde hein, le profil de ces réfugiés, c'est plutôt un profil social privilégié hein, qui s'en dégage avec une surreprésentation des classes plutôt aisées, hein, avec sur ce que j'ai pu observer sur les réfugiés depuis Barcelone, hein, il y a à peu près 10% d'aristocrates, parmi lesquels on a des données hein, sur leur profession. Des industriels, des recteurs d'entreprise qui sont assez bien représentés, des professions libérales. Et donc, ces catégories sociales, hein, ce n'est pas anodin hein, si elles sont surreprésentées, ce sont les catégories sociales qui sont les plus ciblées par les violences révolutionnaires, donc qu'il convient d'aider en priorité. Mais ce sont aussi, en fait, les catégories sociales qui appartiennent au même milieu que les diplomates et les consuls. Et en fait, il y a véritablement une sorte de solidarité hein, qui se crée à ce niveau-là. Et en fait, l'élargissement des évacuations des Français aux Espagnols se fait selon un système affinitaire que l'historien espagnol Antonio Manuel Morral Roncal qualifie de système de chaîne de connaissances, c'est-à-dire qu'on évacue d'abord en fait des Espagnols que l'on connaît, qui eux-mêmes recommandent des Espagnols qu'ils connaissent, et ainsi de suite. Et donc, ça permet aussi à cette certaine homogénéité sociale, en tout cas, ce profil social privilégié. Alors, ces opérations d'évacuation, elles n'ont pas d'équivalent en zone franquiste. Hein. C'est vraiment dans la continuité des opérations d'évacuation des ressortissants français, eh bien, les Espagnols qui subissent la terreur franquiste, eh bien, ne bénéficient pas de ces opérations-là. Cela s'explique par
une question d'accès, hein, ils ne bénéficient pas forcément du même système de chaîne de connaissances. Et ça s'explique aussi par la légitimation par les consuls et les diplomates français de la terreur franquiste, qui finalement ne serait qu'une répression presque juste qui s'abattrait sur des personnes, sur une menace révolutionnaire, sur des personnes qui se seraient prêtées à des atrocités et donc qu'il convient de condamner. En tout cas, c'est la façon dont la correspondance diplomatique à cette époque appréhende, notamment durant les premiers mois, la terreur franquiste. Et donc, évidemment, évacuer des personnes qui fuient la terreur franquiste, c'est évacuer des Espagnols qui potentiellement peuvent constituer une menace, qui ont des choses à se reprocher. Et ça participe en fait aussi à la construction, hein, de cet Espagnol indésirable, puisque finalement, la construction de l'indésirabilité des réfugiés espagnols, notamment du camp républicain, elle vient de l'idée d'un nécessaire filtre qu'il faut apposer sur ces flux migratoires pour éviter la contagion révolutionnaire au-delà de la frontière des Pyrénées, dans le sud de la France. Cette question, hein, du filtre réfugié espagnol, elle se pose, hein, très tôt. En septembre 1936, il y a déjà un premier flux migratoire assez important qui a lieu avec la prise, notamment d'Irun, à la frontière française entre la France enfin, au niveau du Pays basque, où il y a à peu près 16 000 civils et 2 à 3 000 combattants républicains qui fuient l'avancée des troupes franquistes et qui passent donc en France à Hendaye. Et donc, au départ, la politique d'accueil française, hein, c'est une politique d'asile traditionnelle où on laisse entrer ces flux de réfugiés en France, mais on les éloigne de la frontière, notamment au nord de la Garonne, entre la Garonne et la Loire. Mais très vite, l'ambassadeur français Jean Herbette, hein, qui se trouve sur place, suggère en fait d'établir un tri entre ces réfugiés, et notamment d'éliminer parmi ces réfugiés ceux qui auraient commis des actes d'extorsion ou de cruauté, qui auraient participé en fait aux violences révolutionnaires les semaines précédentes dans la région frontalière. Et il cible notamment les membres des organisations anarchistes de la FAI et de la CNT. Et il explique, hein, que les autorités de la frontière, si elles ne participent pas à ce filtrage, eh bien, elles risquent de laisser entrer en France, hein, des Espagnols qui commettraient des crimes contre des compatriotes, qui risquerait finalement d'apporter la guerre civile d'Espagne en France. Et donc il y a véritablement, hein, cette inquiétude d'une contagion révolutionnaire qui s'explique, hein, et qui est particulièrement forte, notamment à l'automne 1936. Herbette en déplore, hein, que ce tri à Irun, d'ailleurs, n'a pas été fait. Et il prévoit l'afflux de prochains réfugiés en Catalogne dès 1936. Et donc, il craint en fait que la présence de ces réfugiés militants des organisations ouvrières, notamment anarchistes, eh bien, favoriserait le développement de l'anarchisme dans le sud de la France. Alors, cette crainte, hein, de Jean Herbette, elle s'explique, hein, dans un contexte, voilà, un peu transnational, hein, puisque en parallèle de l'arrivée du Frente Popular en Espagne et du développement de la guerre civile en Espagne, eh bien, il y a l'arrivée du Front Populaire français en mai 1936, qui est accompagné donc de ces grandes grèves de l'été 1936, qui s'étendent d'ailleurs, hein, jusqu'à l'automne, hein, avec aussi des grèves qui reprennent, notamment dans le sud de la France, dans le sud agricole. Et donc, notamment à l'automne, du fait de cette mobilisation, eh bien, il y a la crainte finalement d'un soulèvement révolutionnaire qui pourrait avoir lieu dans le sud de la France, organisé en lien justement avec la Catalogne, avec la révolution catalane depuis quelques semaines. Et donc ça, évidemment, hein, ça accentue, hein, finalement la crainte de l'ambassadeur d'une contagion révolutionnaire de part et d'autre de la frontière. Finalement, les réfugiés pourraient importer. Il estime qu'en cas de défaite en Espagne, de reflux depuis la Catalogne, beaucoup d'anarchistes pourraient s'enfuir et que donc nos départements limitrophes risquent alors d'être envahis par une foule d'éléments malfaisants et dangereux qui essaimeront ensuite à travers la France. Nous aurons alors affaire à un flot d'insolence, peut-être de brutalité, en tout cas de propagande meurtrière et de conspiration accessible à des influences étrangères. Et donc, il construit petit à petit, finalement, cet espagnol indésirable, hein, qui n'est jamais défini très précisément, mais on voit bien qu'il correspond un peu à une image archétypale du milicien, de l'anarchiste et du communiste.
Et donc, il préconise à ce moment-là, hein, dès l'automne 1936, une politique de tri entre les réfugiés. Il dit qu'il faudrait les interner. Alors lui, il est plutôt l'idée de les interner en dehors du territoire métropolitain, de les interner en Afrique, et de procéder au tri nécessaire entre les réfugiés et de procéder au refoulement, notamment de ceux qui sont considérés comme indésirables. Et quelque part, en fait, en suggérant à la fois cette politique, à la fois d'internement et de refoulement, eh bien, il dresse déjà les lignes de la politique qui est appliquée aux réfugiés qui traversent la frontière en février 1939, presque 3 ans plus tard. Et donc, on voit bien hein, cette création un peu de cette catégorie d'Espagnols indésirables qui dicte un peu leur accueil, eh bien, elle est fondée dès 1936 avec cette crainte de la contagion révolutionnaire. Et donc, tout au long de la guerre, hein, les diplomates français eh bien, participent à la gestion de ces flux de réfugiés et au tri des réfugiés entre eux pour au tri des indésirables. Dès le début, ils demandent, par exemple, au ministère de l'Intérieur, c'est le cas notamment du consul de France à Bilbao, René Castéran, en janvier 1937, de leur transmettre des fiches signalétiques de suspects dont le ministère de l'Intérieur voudrait interdire l'entrée en France. On leur transmet notamment des listes de militants anarchistes qu'il faut refuser, dont il faut refuser l'embarquement, hein. Et cette politique, elle est appliquée autant que possible, hein. C'est ce dont témoigne justement son successeur au consulat à Bilbao, Jacques Dutard, en 1942, lorsqu'il fait un peu le bilan de cette activité humanitaire, il explique que son poste a refusé finalement les demandes d'évacuation qui concernaient des personnages officiels ou en tout cas qui étaient signalés pour leur activité communiste ou anarchiste, et que ces mesures sont évaluées à l'ensemble, sont étendues à l'ensemble de l'Espagne. Alors, cette lutte, hein, notamment contre les militants anarchistes et communistes, elle s'inscrit aussi dans une certaine continuité. C'est là où on peut aussi peut-être interroger la question de perturbation, de chamboulement, dans le sens où les agents du Quai d'Orsay eh bien, ont participé depuis la fin du 19e siècle à la surveillance notamment des militants anarchistes, puis à partir de 1917 des militants communistes, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme anarchiste, puis des menées communistes. Ils participent notamment avec le ministère de l'Intérieur à cette surveillance-là. Et donc, il y a une certaine continuité de pratique au moment de la guerre civile espagnole. Mais pour faciliter ce tri, eh bien, ils vont demander le rétablissement de visas consulaires, notamment pour les Espagnols, qui jusque-là n'avaient pas besoin de faire viser leur passeport par les consuls pour se rendre en France. Donc c'est le cas de Jacques Pringle, le consul général de France à Barcelone, qui le demande dès octobre 1936, et il est appuyé par Jean Herbet, l'ambassadeur, et par René Castéran, le consul à Bilbao, en janvier et février 1937. Et ça aboutit donc en mars 1937 à le rétablissement de ce visa, hein, par le ministre des Affaires étrangères Yvon Delbos, en lien avec Marc Dormoy, le ministre de l'Intérieur, qui donc rétablit ce visa justement afin de mettre les consuls à même d'écarter éventuellement les indésirables. Pour autant, l'accueil des... Il y a une deuxième vague importante hein, de réfugiés qui a lieu au printemps-été 1937, lorsque les troupes franquistes avancent en direction du Pays Basque, de Bilbao, puis des Asturies, Santander, Gijón. Et là, cette fois-ci, il y a une forme de parenthèse dans cette politique hein, de gestion des indésirables, puisqu'en fait, l'offensive franquiste contre Bilbao, qui commence en mars 1937, elle s'accompagne de bombardements contre les populations civiles, avec évidemment cet exemple hein, de Guernica, le 26 avril 1937, hein, qui est évidemment connu, et qui provoque une émotion internationale très forte. L'opinion publique en France se mobilise, mais pas simplement l'opinion publique, hein. Même le consul français à Bilbao, René Castéran, est lui-même choqué hein, de ces bombardements. Et donc, face à ces alertes, il y a quand même un changement de position. Le gouvernement français décide finalement d'autoriser l'évacuation en France de certaines populations. Il y a quand même, malgré tout, un tri. Hein, ça ne remet pas en cause le tri des Espagnols indésirables, mais on accepte d'accueillir des populations non combattantes, et donc notamment des catégories hein, qui rentrent traditionnellement dans cette catégorie de non-combattants, les femmes, les enfants et les vieillards, qui sont considérés comme des populations civiles, hein, dont l'entrée est autorisée. Alors, la politiste Hélène Kinsella a
s'est un peu intéressé à cette distinction entre combattants et civils, hein, qui n'est pas établie avant 1949, avant la Convention de Genève de 1949. Et elle explique en fait que cette distinction entre combattants et civils, elle appuie aussi sur un certain nombre de représentations qui font, notamment en genre, qui font considérer notamment les femmes et les enfants comme populations nécessairement innocentes, inoffensives, qui ne représentent pas de menace et donc pour lesquelles on peut les accueillir plus librement. Donc il y a vraiment aussi ces représentations-là qui jouent dans le tri des réfugiés. Et donc ce qui permet en fait à ces populations d'échapper au tri des indésirables. Pour autant, hein, ces évacuations du printemps et de l'été 1937, hein, elles échappent quand même malgré tout au contrôle des diplomates et des consuls, parce qu'elles sont notamment organisées par des navires de la marine marchande britannique, affrétés par les autorités espagnoles. Et donc, face à l'afflux nombreux de réfugiés, eh bien, le contrôle ne peut pas s'exercer autant que le souhaiteraient les diplomates. Hein, c'est ce dont témoigne Jean Herbet dans cette dépêche-là. Et donc, dans ce cadre-là, l'ambassadeur suggère carrément d'interdire leur débarquement en France pour justement, faute de pouvoir mener à bien ce tri. Alors, le gouvernement français hésite, notamment pour les réfugiés qui viennent des Asturies. Il y a d'abord des ordres pour l'interdiction du débarquement. Pourquoi des Asturies? Eh bien, parce que les populations des Asturies sont considérées comme plus extrémistes, en proie à l'anarchisme et au communisme, plus que les populations basques. Mais finalement, la pression de l'opinion publique et du gouvernement espagnol républicain, eh bien, fait qu'ils finissent par accepter l'entrée de ces réfugiés, qui sont à peu près 50 000. Mais ils ordonnent dès septembre-octobre 1937 le refoulement de tous les réfugiés espagnols entrés en France depuis le début de la guerre civile, justement dans un contexte où, évidemment, il y a le poids économique que représente selon eux, les réfugiés, mais aussi la difficulté qu'ils ont eue à effectuer le tri entre les réfugiés. Et donc, bon, je passe un peu vite là-dessus. Il y a une troisième vague de réfugiés qui a lieu donc, au printemps 1938. Donc, cette fois-ci, c'est l'avancée franquiste le long de l'Aragon, le long de la frontière des Pyrénées, qui aboutit donc, à une nouvelle migration d'à peu près 25 000 réfugiés. Et donc, le nouvel ambassadeur français, Éric Labonne, alerte tout de suite hein, sur le risque que cause cette migration. Il demande aussi un renforcement des mesures de contrôle, notamment à la frontière, un contrôle qu'il applique lui-même. Et il met en garde, hein, si ces mesures de contrôle ne sont pas appliquées, eh bien, il y aura des déserteurs, des malades, des candidats chômeurs, des condamnés de droit commun qui arriveront massivement en France. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il propose à nouveau leur internement en France, le temps de faire le tri entre finalement les bons réfugiés et ceux qui sont considérés comme indésirables. Et donc, en fait, ces alertes hein, qui ont lieu en avril 1938, eh bien, elles précèdent les décrets-lois qui sont adoptés par le gouvernement Daladier en 1938, avec notamment un décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers, puis un décret du 12 novembre 1938 qui, en fait, établissent la distinction entre ceux qui sont considérés comme la partie saine et laborieuse de la population étrangère et donc assimilables dans la population française et que l'on peut accueillir, des indésirables que l'on doit expulser ou un des fois interner. Et ce sont vraiment ces décrets-lois qui permettent l'internement des réfugiés espagnols en février 1939. Et donc, on voit bien hein, que finalement, cette politique d'accueil de février 1939, elle n'est pas... Elle s'inscrit voilà, dans des préconisations très longues et elle s'inscrit vraiment dans une crainte hein, que notamment les diplomates, et ils ne sont pas les seuls, ont instillé autour de cette population d'Espagnols considérée comme indésirable. Et ils participent hein, donc à créer finalement cette figure de l'Espagnol indésirable donc, qui est liée à cette peur de la Révolution et au risque de sa propagation en France. Et donc, par là, et donc c'est là où ça rejoint le titre hein, de ma communication, finalement, en s'appuyant sur les travaux de Didier Fassin,
On peut considérer que cette assistance finalement à des victimes des conflits, qui est aussi sur cette politique d'accueil des réfugiés, eh bien, elle fait émerger aussi une forme d'humanité inégale dans le sens où elle met en jeu des significations et des valeurs différenciées des vies humaines, puisqu'elle définit, elle définit des victimes pour lesquelles on doit se mobiliser, auxquelles on doit venir en aide prioritairement, et finalement d'autres victimes qui sont peut-être moins, comment dire, que l'on moins idéal, voilà, auquel on, pour lesquels on doit moins se mobiliser. Pourquoi? Parce que, en fait, sur la rhétorique humanitaire, elle repose généralement sur une simplification du monde qui instaure une dichotomie entre finalement des victimes identifiables auxquelles généralement on s'identifie, et donc des victimes dit un bourreau, et donc il y a aussi l'identification d'une menace qui apparaît aussi comme monolithique, et donc ce phénomène-là pour les diplomates. Pour les réfugiés espagnols, s'applique également, hein, puisque finalement les diplomates français viennent établissent aussi une hiérarchie en fait des vies à sauver. D'abord, on l'a vu, les ressortissants français. Ensuite, les ressortissants des victimes, pardon, les victimes de violences révolutionnaires espagnoles, avec lesquelles ils s'identifient. Ensuite, les femmes et les enfants, considérés comme innocentes. Et par contre, il y a une menace, c'est l'espagnol indésirable, c'est le mycien, c'est le rouge, et qui finit en fait par rendre tout homme espagnol venu des territoires républicains comme finalement un suspect à contrôler. Je vous remercie de votre attention.